I'm super excited about our next guest, and especially excited to have some representation from Francophone Africa. You know, one of the most incredible things of musical discovery is, you know, the constant discovery of new old music. And I think for a lot of people in this room, they've had the pleasure of jumping down that wormhole, that incredible wormhole that is discovering African music. And the thing about African music is every single country in Africa has its own regional styles that have been developing for decades and decades and decades. Obviously, you know, many people in this room are familiar with the music of Fela Kuti and Afrobeat. Of course, High Life, which was a musical style that began in Sierra Leone and West Africa and became very popular in Ghana. Obviously, in South Africa, you've had stars like Miriam Makeba and Hugh Masekela. Ethiopia, with the whole Ethio-Jazz movement. Like I say, every country has got their own incredible styles. But there's one style of music that has had such an incredible impact all throughout Africa, and that's the style of Congolese soukous and the music of Congo. And our next guest just so happens to be one of the biggest stars of Congolese music. He got his start in 1969 with a group called Zaiko Lunga Lunga, who went on to become one of the greatest bands Congo ever knew. Performed at Zaire 74. He then had a group called Aisefe Lokole and Viva La Musica, and still to this day, one of the greatest voices the Congo has ever known. Also, if anyone's seen those photos on the internet of those very well-dressed gentlemen of Kinshasa, the Sapeurs, SAP, this was a movement that this man here helped to found. So needless to say, we're going to have some great stories over the next couple of hours. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Papa Wemba. Papa Wemba, thank you so much for joining us today. Oh, merci beaucoup. Moi, je suis très content d'être là et de partager un peu le travail que j'ai fait pendant plusieurs décennies avec tous ces mondes-là qui sont présents dans cette salle. Great. And by the way, one thing I will say, obviously, as we, the people in this room that aren't speaking French, we are understanding French, we're wearing these devices. If there's any slow pauses on my behalf after each translation, please bear with me. But look, Papa Wemba, so great to have you at the Academy. It's truly an honor. It must be noted that a couple of days ago, you flew in from Kinshasa, the city where you were raised. And you're heading back to Kinshasa tonight. Tell us about Kinshasa right now, 2015 Kinshasa. Oh, Kinshasa, c'est une très, très, très grande ville qui est très diversifiée comme ça, où on accueille des étrangers vraiment à cœur plein de joie. On loge l'étranger, on ne demande rien du tout, mais c'est une ville assez musicale. Dans chaque coin de rue, vous écouterez que de la musique qui est diffusée vraiment à tue-tête, quoi. Et à part la musique, les Kinois, ils aiment bien aussi le football. Ils aiment bien le football. So you weren't born in Kinshasa, but from a very early age, you moved to Kinshasa. You were born in 1949, so all of a sudden, you're growing up as a young Papa Wemba. In Kinshasa in the 50s. Tell us about that. What was Kinshasa like to grow up in the 50s? En fait, mon père, c'était quelqu'un qui avait pris part aux côtés de l'armée belge pendant la Seconde Guerre mondiale. Et juste après son service militaire, il a décidé de venir s'installer à Kinshasa. Et il avait pris ma maman, elle était encore trop jeune. Il a laissé ma maman enceinte de moi là-bas. Je suis né dans un village en plein cœur de la RDC Congo. Juste après la naissance, papa a décidé qu'on vienne vivre dans la capitale. Ça s'appelait à l'époque Léopoldville. Aujourd'hui, c'est Kinshasa, où on était encore sous la colonisation belge, quoi. Donc, j'ai grandi à Léopoldville. J'ai fait mes études à Léopoldville. C'est à Léopoldville que j'ai commencé ma carrière, je crois que 20 ans après ma naissance. So, Léopoldville, up until 1960, and, you know, 1960 was when Congo was to gain its independence. Just to give us an idea, the music that you were hearing around this time, what was the music you were growing up with? What was Congolese music looking like in the 50s?
Alors, nous, quand on grandissait, tous les dimanches, j'ai dit bien tous les dimanches, il y avait des groupes traditionnels qui venaient de partout. Alors, qui passaient de chaque rue pour nous faire de la musique à ciel ouvert et gratuitement, de la musique traditionnelle. Parce que la RD Congo, il a près de 450 ethnies. Et chaque ethnie a un genre musical. Donc nous sommes gâtés par les bons dieux de nous avoir donné cette richesse-là, quoi. Donc j'ai grandi avec ces genres musicaux que j'écoutais un peu de partout. Et puis Kinshasa fut aussi parmi les premières villes africaines qui a commencé à écouter de la musique venant d'ailleurs, donc c'est-à-dire la musique qui vient de l'étranger, quoi. Et c'est comme ça que j'ai dû emmagasiner beaucoup de genres musicaux en moi. All right. During this time, there was, you know, the modern music of Congo had its first star, a man named Wendell Kolosoy, aka Papa Wendo. And I think we're going to listen to a track right now that was one of the biggest hits in the 1950s. Tell us a bit about Papa Wendo and the first time you remember hearing Papa Wendo and his influence within Congo. Alors, Wendo Kolosoy fut parmi les grands chanteurs et guitaristes congolais qui avaient vraiment connu un grand succès. Lui, qui de temps en temps, parce que Kinshasa et Brazzaville sont deux villes les plus rapprochées du monde, quoi. La traversée du fleuve ne prend que une vingtaine de minutes, on est déjà de l'autre côté. Alors, Wendo Kolosoy avait l'habitude d'aller très souvent à Brazzaville et il a rencontré son ami là-bas, Paul Kamba. Paul Kamba, qui avait un groupe qui s'appelait Victoria, qui jouait tout le temps, quoi. Et Wendo, quand il a su ça, il est revenu à Kinshasa. Il a créé aussi son groupe, mais en dénommant ce groupe-là aussi Victoria. Et c'est comme ça que Wendo avait connu vraiment le grand succès parce que c'était au départ un matelot qui travaillait dans un bateau. Et comme le bateau ne cessait pas de naviguer et d'aller partout, lui, il avait chaque fois sa guitare en bandoulière et il chantait pour les passagers et tout et tout. Donc, c'est ça qui a fait un peu le succès de Wendo. All right, we're going to listen to track by Papa Wendo right now. This is a track I think that was released in 1953. It's called Marie Louisa. What is it when you hear that song, Papa Wemba, what does it take you back to? What does it remind you of? En fait, je vais raconter l'histoire que j'ai appris parce que bon, j'étais encore un gamin. Je ne connaissais pas trop, mais on nous disait à chaque fois que Wendell Colossé interprétait cette chanson, il y avait des morts qui ressuscitaient. C'est vrai, hein? C'est vrai ça, c'est vrai. Puisque vous rentrez dans un bar à ciel ouvert, il n'y a pas du monde. Et quand tu interprétais cette chanson, il y a énormément du monde qui surgissent en même temps. Et des très belles femmes et des beaux hommes aussi, quoi. Donc les gens croyaient que c'était des gens qui venaient du cimetière. Vraiment, on a cru à ça et jusque-là, nous continuons toujours à croire à ça, quoi. En fait, ouais, Marie-Loïsa, c'est ça. En fait, Marie-Loïsa, c'est un prénom. C'est un prénom composé. C'est Marie-Louise. Au lieu de dire Marie-Louise, en lingala, nous on dit Mali Loïsa. Just quickly for people in this room that don't know, what is Lingala? Le lingala, c'est en fait, en RD Congo, il y a quatre langues vernaculaires. Il y a le lingala qui est parlé un peu partout à travers le pays. Et puis il y a le swahili qui est parlé aussi à l'est. Il y a le Tchiluba qui est parlé au centre, et puis il y a le Munukutuba qui est parlé au sud. Donc, mais c'est le Lingala qui est parlé, le Lingala qui était une langue inventée par des soldats pour se communiquer entre eux, quoi.
Et la rumba congolaise est beaucoup plus chantée en lingala. I think what's interesting listening to that track as well is you get a little bit of an insight into this kind of musical melting pot that was Congolese music in the 50s. And, you know, underpinning that that track we just heard is that basic high life rhythm, that da, 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 da. And, you know, the influence as well of you know, Cuban rumba and in particular Cuban song. What I'd like to know is, especially with the Cuban side of things, how were these musics finding their way into Congo in the 40s and 50s? Très bien. L'inspiration de la musique congolaise est venue tout d'abord de la musique high life, au départ. Au départ, c'est de l'high life. Et par après, c'est le Grand Calais qui a ramené la guitare électrique dans la rumba congolaise. Et nous, à cette époque, enfin, eux, à cette époque-là, vers les années 50, on écoutait beaucoup plus la musique afro-cubaine. Afro-cubaine. C'est toutes ces influences-là qui a fait à ce que la musique, la rumba congolaise, soit aujourd'hui telle qu'elle est aujourd'hui, quoi. L'incorporation de la guitare, l'incorporation des instruments avant et l'incorporation aussi d'un pléthore de chanteurs comme ça, quoi. D'un pléthore de chanteurs. Nous, on ne connaissait pas qu'il fallait avoir un seul chanteur accompagné de tous. Non, il y avait un pléthore de chanteurs comme ça, quoi. Et bon, au fur et à mesure, ça change, ça change, ça change. Et puis bon, on suit l'évolution aussi à travers le monde. Qu'est-ce qui se passe, quoi? La technologie nous fait subir sa technique aujourd'hui. I think one thing that's really interesting about the Cuban influence is, you know, if you go back in time to the 16th century, it was, in fact, slaves that came from Congo and Angola that ended up in Cuba. And they brought with them their music and their rhythms that had been with them for generations and generations. And then in a very interesting way, now all of a sudden, those African rhythms that were in Cuba came back to Africa. Were Congolese aware of that history, and did they feel also that, you know, their music and their rhythms were coming back to them finally? Ben, c'est comme le boomerang, c'est comme on parlait tout à l'heure. C'est comme le boomerang. En fait, nous, les Congolais, nous n'avons pas été des esclaves. C'est des Angolais. Quand on dit rumba, en fait, rumba, c'est pas nous qui avait donné ce nom-là, quoi. C'est, en fait, c'est l'homme blanc. La rumba, au départ, c'est une danse. C'est une danse au départ. C'était kumba. Kumba, c'est le nombril. C'était la danse du nombril. Alors, l'homme blanc, au lieu de dire kumba, lui disait rumba. Et c'est resté comme ça, quoi. Des Angolais, effectivement, ils étaient des esclaves qui sont partis. Nous, Congolais, nous n'avons pas connu tout ça. Et toutes ces influences-là, comme il y avait un grand musicien aussi angolais qui a évolué au Congo, d'Oliveira, en fait, c'est lui aussi qui a influencé un peu la musique congolaise, quoi. Donc la musique congolaise a subi beaucoup d'influences venant de partout, quoi. Venant de partout. What was the moment for you, Papa Wemba, when you discovered that you had a voice yourself? Now I understand that, you know, your mother used to sing. If you could tell us a bit about the role, she was what was known as a mourner. If you could tell us a bit about that and just, you know, when you started to sing with her during this time as a young man in Kinshasa. Beaucoup de gens ne comprendront pas. Bon, chez nous, en Afrique, il se passe plein de choses que vous, les Européens, vous aurez du mal à comprendre, quoi. À chaque fois, quand il y a des veillées mortuaires, et nous, on n'amène pas nos morts à la morgue. On les amène à leur domicile où ils vivaient, quoi. Et on l'installe dehors, et c'est tout le village qui vient qui pleure, c'est disparu, quoi. Bon, aujourd'hui ça a vachement changé, mais hier c'était comme ça, quoi. Et il y a des personnes
qui tout autour venaient chanter bénévolement. C'était pas du professionnalisme pour eux, quoi. Non, non, c'était pas quelque de ou c'était pas rémunéré, quoi. C'était vraiment du bénévolat. Et moi, ma mère, elle faisait ça. Et comme j'ai eu à traverser toute une décennie, j'étais seul seulement avec elle. Et ma maman, elle m'amenait un peu partout, quoi. Où elle allait chanter, pleurer. Donc voilà. When did you start singing with her? Avec ma maman, j'ai pas chanté. C'est elle, en fait, de temps en temps, bon, à la maison, quand je commençais à fredonner un air et qu'elle m'entendait chanter, bon, elle s'avançait vers moi pour écouter ce que je faisais. Si je le faisais très bien, elle me disait ah, bravo, mon fils. Mais si j'étais en train de perdre quelque part, elle me corrigeait. Donc, elle fut à la fois pour moi mon premier public et mon professeur de chant aussi, quoi. Et là, je devais avoir moins de 10 ans. C'est à partir de mes 11 ans, 12 ans, 13 ans, au quartier où j'ai grandi avec des amis, nous, on créait nos propres instruments, quoi. On créait nos propres guitares, on créait nos propres tam-tam. On sautait de parcelle à parcelle et j'étais l'unique chanteur de ce groupe-là des amis avec nos instruments que nous avons travaillé nous-mêmes, quoi. Donc j'ai commencé par là, entre 12 ans, 13, 14 ans, quoi. C'est un truc qui était dans moi déjà, quoi. Et je voulais bien, quoi. Je voulais bien. Et quand j'ai eu mes 15 ans, j'ai laissé tomber. Je me suis rabattu du côté de football parce que j'aimais aussi le football. Et bon, heureusement, enfin malheureusement pour moi, je n'ai pas fait long feu dans ce domaine-là. Et à 19 ans, j'ai pris ma décision de tout laisser, et les études, et de me consacrer à la chanson. Just before we get to this kind of monumental moment in your career where you launch your own band, I just want to go back in time a little bit to 1960, so you would have been about 11 or 12 years old. There was another artist called Joseph Cabaselli, another one of these legendary, also Le Grand Calais, as he was known. And he was, in the history of Congolese music, one of the, after Wendo, he kind of came next and took Congolese music and to its next evolution. But what's really important about this next track we're about to play is this was the song that played everywhere in 1960. This was the anthem, not just for Congo, but for a lot of Africa. What is this track, and yeah, how important was what happened in 1960? En fait, vers les années 60, presque plus de 50 pays africains avaient décidé de devenir indépendants. Et à cette époque-là, le gouvernement congolais avait demandé au Grand Calais, Joseph Kabasele, d'amener un groupe d'artistes musiciens à la table ronde à Bruxelles, où les politiciens sont allés discuter pour que le Congo devienne indépendant, quoi. Et au retour, ils avaient, lui, Kabasele, avec son groupe, ils avaient mis en circulation une chanson, Indépendant Tcha-Tcha, qui jusque-là fait le tour de l'Afrique toute entière. Je me rappelle, encore il y a 3 ou 4 ans en arrière, près de 17 pays africains avaient célébré leur cinquantenaire d'indépendance, quoi. Et c'est l'unique et la seule chanson qui a circulé un peu partout, quoi. Indépendance, tcha-tcha, tozouillé. Let's have a listen to it with that great intro. Thank you, Papa Wemba. This is Le Grand Calais, and it came out in 1960, as Papa Wemba mentioned, penned for the independence of Congo. This is Independence, Cha-Cha. Indépendance, cha-cha, tozouillé. So once again, Joseph Kabasele, Le Grand Calais, Independence Cha-Cha. Can you paint us just a quick picture, Papa Wemba, of the feeling in the air? I mean, you're 11, 12 years old. Congo was free. It was independent from what was, you know, the history books will tell you was one of the harshest colonial rules at the hands of the Belgians. Were you old enough to have an idea of what was going on politically? And yeah, was there celebration in the air?
J'avais 10 ans à peine. Je sais que ce jour-là, je revenais du stade de football. On a été regarder un match de football qui opposait deux grands clubs de Kinshasa. Et en sortir de là, non loin de là où j'habitais avec mes parents, il y avait un meeting politique. Je suis allé avec mon frère, nous sommes allés suivre ce meeting politique. Et l'interlocuteur ne cessait pas de parler d'Ipanda. Nous, on ne connaissait rien du tout. D'Ipanda, en fait, c'est indépendance. Et toutes les personnes qui étaient là ne cessaient pas d'acclamer quoi. Indépendance, indépendance, indépendance. C'était le 1er janvier 1959. Et le 4 janvier, c'était le meute. C'était le meute où on a vraiment les Quinois sont sortis dehors pour réclamer les départs de l'homme blanc. Et c'était des tueries un peu partout, quoi. C'était des tueries. Moi, j'ai vécu ça, bien qu'à 10 ans, je peux toujours me souvenir de ça. J'ai vécu ça moi-même. Et l'indépendance n'était pas aussi facile pour nous. C'est après beaucoup de discussions politiques que le Belge avait accepté que le pays soit indépendant. I mean, it's interesting. It's, you know, and I think the track we just heard just then is quite telling. When you're talking about the evolution of Congolese music during this time, you can't help but not talk about the political situation, because politics and music were very, very intertwined. And you know, this is the Red Bull Music Academy, not the Red Bull Political History Academy. So we'll keep it kind of brief. But just in brief, you know, this period when you were in your teenage years, just before Zydeco dropped, Congo was in a state of chaos. There was a very, very brief leader, Patrice Lumumba, who, you know, for reasons, and I'll leave it with you as to what happened to Patrice Lumumba. But then Mobutu, a man named Mobutu, took power, and I guess for the next 3 decades, the image of Congo, which was now named Zaire, was one that was led by this man Mobutu. Just very briefly, can you remember that this moment when Mobutu took power, and was it welcomed by Congolese at the time? Je vais demander la permission à tous les académiciens qui sont là. Bon, effectivement, je ne suis pas venu parler politique. Je suis venu parler de l'art que je sais faire, c'est-à-dire la musique. Mais bon, la politique nous retient tous, quoi. Chacun de nous est politicien quelque part. Chacun de nous est rattrapé par la politique qui est faite dans son pays. Moi qui viens d'un pays africain, j'ai le devoir d'aller porter mon bulletin. J'ai le devoir. C'est un devoir de tout citoyen, quoi. C'est un devoir de tout citoyen. Mais c'est vrai qu'on était tous contents de devenir indépendants. On était tous contents parce que c'est toute l'Afrique noire qui voulait devenir indépendant, quoi. Qui voulait devenir indépendant. On va se souvenir de Lumumba, on va se souvenir de Kwame Nkrumah, on va se souvenir même dans le siècle dernier, il y a Nelson Mandela, que tous nous connaissons son histoire, quoi. C'est juste pour que l'homme noir soit libre de ses mouvements et libre de ce qu'il a envie de faire et qu'il veut être aussi égal à l'homme blanc. Et tout ça, c'est une bataille qui est mise malgré nous. Parce que nous avons tous la même couleur du sang et nous n'avons qu'un seul créateur qui est Dieu le Père, qu'on le veuille ou pas. Donc pour la sauvegarde de l'humanité, nous devons faire bloc. Si nous assistons maintenant, on assiste le bras croisé à tout ce qui se passe à travers nous. C'est à cause de cette séparation-là, quoi. Or, si on était tous bloc, je crois que rien ne se passera parce que Dieu a mis en nous un truc. Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Il savait que c'était difficile, mais bon, il a mis parce que il se savait que c'était difficile, quoi. C'était difficile. Donc nous, on était très contents de devenir indépendants.
Et c'est pourquoi il y a eu tous ces mouvements-là. C'est pourquoi il y a eu tous ces mouvements-là, quoi. Mais bon, malgré nous, on continue toujours à subir. On continue toujours à subir. Et... Mais bon, la vie continue. I tell you what, for the technical team, we're going to jump over the first video and I'd like to play everybody the second video that we've got lined up. So this is a video from Zyko Lunga Lunga, performing on a TV show. So as you mentioned, you were a very young man, Papa Wemba, and you launched this band, Zyko Lunga Lunga, which I think anyone in this room who is Congolese or knows anything about Francophone African music, Zyko Lunga Lunga is the one name that everybody knows. It began in 1969. let's watch this video too first, and then we'll chat about Zyko Lunga Lunga. Ma fille qui est dans la salle là n'était pas encore née quand j'ai commencé. Là, elle n'était même pas encore née, quoi. Donc, elle aussi va découvrir. All right, here is the second video. Oh, man. What an incredible video. Papa Wemba, you look very, 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 very young. Merci. Ah oui. When you watch that video, what does it take you back to? Can you... Oh, bon, c'est des bons... C'est des vieux souvenirs, hein? C'est des vieux souvenirs, quoi. Tell us about Zyko Lunga Lunga, because, you know, we had... we kind of talked through this era where there were these... you know, these old kind of very, very established artists. And the way Zyko Lunga Lunga came on the scene in 1969, it was like this the new breed had come through, these young Congolese men, or boys, if I should say, who were really about to take Congolese music to all new places. Tell us about Zyko Lunga Lunga. En fait, nous, on a ramené beaucoup de choses dans... Quand on est arrivé, quoi, on se prenait pour comme des Beatles, quoi. Oui, c'était un genre de révolution comme ça. On a ramené un peu la danse, on a ramené de l'animation, parce que la musique venant d'ailleurs avait envahi la ville de Kinshasa, quoi. Et à l'époque, vers les années 70, c'était l'époque où de grands chanteurs noirs américains comme James Brown, Otis Redding et plein d'autres. Et ici, là, en Europe, c'était des groupes comme The Beatles, The Rolling Stones et des chanteurs comme Johnny Hallyday, comme tant d'autres. Quoi. C'était vraiment l'influence de cette époque-là. Et nous, on se prenait comme des Beatles. Et même nos mélomanes aussi, nous appréciaient comme ça, quoi. Nous appréciaient comme ça, et on avait connu un grand succès à l'époque. Voilà. So what was it like being 20 years old and being the equivalent of the Congolese Paul McCartney? Ben la vingtaine, bon, on était un peu fou dans nos têtes, quoi. Nous, on voulait se comparer à eux. On voulait nous se comparer à eux, quoi. Et puis, il y a eu aussi l'influence de la musique cubaine aussi, quoi. Tels que des groupes comme Fania All Stars, où il y avait des artistes comme Johnny Pacheco, Ray Barreto, Celia Cruz, des artistes comme ça, quoi. Donc, c'était vraiment l'époque où il y a l'effervescence de jeunes dans la rumba congolaise. When did the word soukous... You first started to hear the word soukous in reference to the music that you guys were making and Congolese music and dance at the time. Bon, nous, on n'a jamais appelé notre musique soukous. On l'a jamais appelé soukous, quoi. C'est une appellation qui était faite ici, là. Nous, les soukous, au départ, c'est une danse. C'est une danse où un couple se sépare et danse à kumyemyeu. Et dans sa kumyemyeu, quoi. Ce n'est que quand nous sommes arrivés ici, vers les années 80, qu'on a commencé à écouter qu'il y avait un genre musical, le soukous, quoi. Autrement, chez nous, quand vous parlez du soukous, le soukous, c'est la danse. C'est la danse, quoi. One of the things that underpins all
you know, Congolese music, this kind of new vibrant music that was coming out of Congo that bands like Zyko were creating, is this thing known as the Seben. And basically, for those that just watched that video, we have a track that starts with like a, you know, a slower Congolese rumba, which a love song or what have you. And then all of a sudden, there's always a point in the track when it hits the Seben, and we get these guitar phrases that start repeating over and over and over, and it kind of moves into this up-tempo part. Tell us about the importance of the Seben. Je parlais ici de Kumba. Kumba qui est le nombril. Le nombril, la rumba, c'était la danse du nombril, quoi. Alors, la rumba congolaise est divisée à plusieurs parties comme ça. Il y a l'introduction, il y a le couplet, il y a le refrain, puis il y a le seven. Le seven vient du mot seven, sept en français, seven en anglais. Alors, ces rythmes-là, ça s'appelle 7-7. Seven-seven. Alors, nous, au lieu de dire seven, on dit seven. C'est là où le couple se sépare et chacun essaie de s'exprimer à qui mieux. Et c'est là où les guitaristes, le guitariste solo, essaye lui aussi de se faire remarquer, de se faire voir aussi dans la chanson. Puisque du début à la fin, il ne fait qu'accompagner et faire des petites riffs comme ça, quoi, des petites riffs comme ça. Et là, et pendant le Seben, on lui laisse maintenant le temps de bien s'exprimer, quoi. I think to give people another idea, we'll play something else from... Et c'est drôle parce que c'est dans la rumba congolaise seulement qu'on retrouve ces trucs-là. Ailleurs, j'ai jamais entendu, quoi. J'ai jamais vu, j'ai jamais entendu. All right, well, this is a track which has a great seven, if I'm allowed to say. I'm not going to try the pronunciation. I'll get you to pronounce it for me. Ningongye? Huh? Psycho Langa Langa. Oui. Donge. 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 Okay. This is another track from Zyko Lunga Lunga. It's called Donge. Donge. Thank you. So, Zyko Lunga Lunga there with the track called Donge. Something else that you mentioned, Papa Wemba, from... And we saw it in the video, is, you know, this moment when the Seben hits and then all of a sudden we see some of the most incredible dance moves we've ever seen. And a lot of the different bands at the time were coming with their own different moves. You know, as legend would have it, Pepe Kale bought Pepe Kale or Kanda Bongo Man, depending on who you talk to, bought the Kwasa Kwasa. I remember reading that when the moon landing happened, there was a dance that swept Congolese dance floors called the Apollo. There was even a dance about going bald. Tell us about dancing, the importance of bringing a new dance to what you guys did. En fait, chez nous, je dirais que quand il y a un nouveau-né, c'est tout le village qui vient, qui chante et qui danse pour ces nouveau-nés. Et pendant la période de vie, il y a beaucoup de commémorations. Et la danse et la musique participent. Elle est permanente, quoi. Et quand on meurt aussi, il y a la musique qui revient et la danse revient aussi, quoi, pour accompagner... celui qui vient décéder à sa dernière demeure. Alors, c'est un duel en fait chez nous. Je vous ai parlé des 450 ethnies et chaque ethnie a un genre musical, y compris la danse aussi, quoi. La danse, elle est diversifiée, quoi. Jusque-là, elle est encore inépuisable, quoi. Donc, on peut partir du nord au sud, d'est à ouest, même au centre, il y a un bon nombre de pas de danse. Et c'est chaque groupe, quand ils arrivent comme ça, avec un nouveau répertoire, ils créent une nouvelle danse. Forcément, ils doivent créer une nouvelle danse pour se faire remarquer. Autrement, vous n'allez pas vous faire remarquer. C'est là où l'importance de la danse est dans la rumba congolaise.
Et jusqu'à présent. Papa Wimba, what was your favorite dance from this era? Il y a plein de danses. Hein? Moi, j'ai créé le Mokonyonyo. J'ai créé le Kavacha. J'ai créé plein d'autres danses comme ça, quoi. Plein d'autres danses could comme you, ça. Could you potentially, if it's not too much to ask, could you give us a very quick demonstration of the Mokonyonyo? I'll play some music. Hier, j'étais encore tout jeune. Bon, j'ai dansé vraiment là. Bon, aujourd'hui, avec l'âge, on essaye de danser toujours, mais bon, c'est de plus ça comme hier, quoi. What was the? Can you give us a bit of an idea of what the experience was like in the early 70s inside these clubs, the clubs that all you guys are playing at? How long would you guys play for each night? And, you know, I get the idea that sometimes the seven would just get drawn out for minutes and half hours until it was just so hypnotic and dancers would get dizzy and fall over. And it was a vibrant time inside the nightclubs. Can you paint us a picture of these live shows that you were doing? Alors, vers les années 70, quand on a démarré avec des amis, on était encore trop jeunes. Des parents ne voulaient pas qu'on sorte jusque très tard, quoi. Et nous, on commençait à faire nos productions à partir des 14 heures. Et ça durait comme ça pendant 4 heures du temps jusqu'à 18 heures. Avant 20 heures, il fallait qu'on rentre déjà à la maison. Et nos aînés, ils restaient parce que, bon, et ils étaient déjà des grands, quoi. Ils avaient déjà la vingtaine passée. Mais chaque groupe avait sa façon aussi de faire le seven. Une chanson peut durer pendant 20 minutes. 20 minutes ou voire même une demi-heure. Donc ça dépend d'un groupe de musiciens à l'autre groupe, quoi. I think, you know, it's fair to say that, as I kind of mentioned in the intro, out of all African music, by far the most the music or the nation that's had the biggest musical impact across all of Africa is Congo. And in particular, the guitar playing. That kind of very Congolese style of guitar playing had such an incredible influence. And, you know, before we kind of move on, as we're running through this history of Congolese music, we kind of have to mention a guy called Franco, who many will say was the greatest guitar player Africa has ever known. Just tell us quickly about Franco and your experiences witnessing him play guitar. J'ai toujours souligné que la musique congolaise est la maternité même de la musique africaine, quoi. C'est influencé beaucoup de pays africains qui, même jusque là, quand on écoute maintenant la musique qui est faite dans un pays comme le Nigeria, on y retrouve des sonorités de la rumba congolaise, quoi. Et Franco fut parmi l'un de rares guitaristes chanteurs qui avait vraiment, vraiment façonné la guitare populaire. Lui, il était très, 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 très populaire. Et d'ailleurs, c'est l'icône même de la rumba congolaise, quoi. Et cette année, dans mon pays, dans la capitale, on a érigé un grand monument pour ce monsieur-là, pour cet artiste Franco. I tell you what, technical team, we'll go back to video one right now, because it'd be great to show everyone just really, really quickly this video of Franco playing live. And
You know, the one thing I just wanted to add to that, this whole thing of the seven and you know, this very Congolese thing of taking these phrases and repeating it over and over and over and over again. This kind of, this trance, it's almost like a trance thing, you know, you go into a trance and there are artists like modern day Congolese artists like Konono Number One who have a similar thing. There's this element of yeah, hypnotic, trance like thing in Congolese music. Is that something that's deep rooted, you think? Bon, on peut le dire comme ça, comme on peut pas le dire comme ça. Parce que moi,